Eh, dis-moi, Mathieu, c'est quoi tes 5 leurres favoris pour pêcher en Méditerranée? Toi, tu veux vraiment connaître mes leurres secrets? Vas-y, je te donne ça dessus. Ok, alors je vais te donner 5 références qu'il te faut absolument avoir si tu veux venir pêcher en Méditerranée, plus précisément au Cap d'Agde. Là, je vais avoir du mal à me décider, mais en fait, il te faut un Asturi ou Pachinko. Pourquoi? Parce que ces deux références de leurres de surface traversent le temps et font toujours autant de poissons. C'est des leurres qui sont un peu techniques à travailler. Par contre, même les gens qui ne savent pas pêcher arrivent à sortir du lot parce que c'est des super références, parce qu'elles se jettent très loin, très facilement, et elles s'animent facilement. Elles sont équipées d'hameçons de décoy qui est relativement solide, et surtout, elles sont très peu bruiteuses. Et en Méditerranée, les leurres qui font beaucoup de bruit, il y a des jours c'est bien, mais la plupart du temps, les poissons aiment les leurres un peu discrets qui ne font pas beaucoup de bruit. Et ça, c'est des références qui font très peu de bruit. Il y a des couleurs extraordinaires, vraiment adaptées pour la Méditerranée. Ça, c'est le genre de référence que tu peux pas aller à la pêche si tu n'as pas ça dans ta boîte. Ensuite, le leurre indispensable pour la Méditerranée. Celui qui, même si vous ne savez pas pêcher, vous allez faire du poisson. Et c'est clairement le leurre avec lequel les gens font toute l'année du big fish. C'est le FR80 de chez Jackson. C'est un leurre petit à bavette qu'on lance et qu'on ramène, qui descend à 1 mètre sous la surface. Donc, c'est un leurre ultra polyvalent, ça pêche toute l'année le leurre de surface. Il est petit, il refait vraiment la taille et la vibration des petits poissons fourrage qu'il y a en Méditerranée. Et en plus, il est silencieux. Et le modèle silencieux, les poissons méfiants, ils s'en méfient pas du tout. Le hayou comme ça, couleur naturelle, ou la couleur sardine, mortelle. Ensuite, il y en a un qu'il faut toujours avoir aussi sur soi si on pêche du bord comme en bateau. C'est un jig, tout simplement parce que le jig, c'est tout petit, ça fait un petit poisson fourrage et les poissons, ils sont souvent sur du petit et on va prendre beaucoup d'espèces avec. Et là, il y a un modèle que j'adore particulièrement, c'est le Bragg Metal Cast de chez Duo. C'est un jig qui est petit, trapu et très large, ce qui veut dire que quand il va tomber, il va tomber comme un poisson touché. Et ça, on jette, on ramène, on fait de la verticale avec, en bleu comme ça, ou une couleur marron, ou même le rose, c'est à avoir dans sa boîte. Et enfin, pour terminer, j'ai forcément un leurre souple avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où les poissons, ils sont pas sur des fortes vibrations. Et des fois, ils sont complètement au fond et ils sont léthargiques. Ils dorment comme ça. Et là, mon favori, un petit Zimen indestructible, couleur blanche comme ça. Pourquoi? Parce que le blanc translucide, ça passe dans toutes les conditions. Et ça, ça nage tout seul avec vibrations ultra naturelles. Et les poissons un peu difficiles, ça fait la diff. Je peux l'équiper soit avec une tête plombée, du grammage que je veux pour m'adapter au fond, soit en texan pour pêcher les zones où il n'y a pas de fond, il y a beaucoup d'herbe. Je vous donne un petit bonus, c'est le polystick de chez TPP, c'est un leurre de notre fabrication qu'on fait à la main. C'est un leurre artisanal qu'on fait en bois. Et pourquoi en bois? Parce que le bois, il ne fait pas de bruit et les vibrations dans l'eau sont beaucoup plus naturelles que si c'était du plastique. Et on est très fier du polystick. Pourquoi? Parce que le polystick, c'est un petit stick bait. Par exemple, celui-là, c'est le modèle en 20 grammes qui est capable de faire 6 nages différentes en fait. Les autres leurres, on peut faire 1, 2, 3 nages différentes. Le polystick, lui, il peut faire du walking the dog, il peut skipper à la surface, il peut juste nager comme ça sous l'eau, il passe sous la surface en faisant plein de nages différentes. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'équiper avec des hameçons de notre choix, et comme c'est du bois, selon la grosseur de l'hameçon, on peut changer la densité et le rendre soit vraiment super flottant, soit le rendre un peu coulant. L'armature est traversante, on peut même attraper le thon avec, parce qu'il y a des petits modèles qui servent à pêcher le thon sur chasse. Voilà, c'était le petit bonus TPP, le polystick. Il y a la vidéo sur YouTube avec toutes les animations. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce que c'est réellement un stick bait qui va faire la différence quand les pêches seront vraiment difficiles.